Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est la Ch'tizaz et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo tag. Alors, j'ai été taguée par Jackie de la chaîne Jackie Diamond and Scrap. Ça fait un petit moment que j'ai été taguée, mais je viens de me rappeler que je ne l'avais pas encore fait. Donc, merci Jackie de m'avoir taguée. Et c'est un tag qui a été créé par Angélique et ses loisirs. C'est le tag loisirs d'épée. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, je suis toujours sur ma toile de Julie Courchêne, Paradise Island, et je poursuis, il me reste plus grand chose à faire, hein. Allez, il me reste, attendez, que je regarde, tiens, au moins, ça, bon là, je suis sur un petit carré, sinon, bon, 23 par 21, voilà, voilà un petit peu ce qu'il me reste, moins ce carré-là, donc, il me reste plus grand chose, fin juillet, je l'aurai terminé. J'espère. Donc, bah écoutez, on va répondre à ce cas, à ce tag. Et puis voilà. Donc c'est un tag qui tourne autour des loisirs créatifs. Et pour être honnête avec vous, je viens d'écouter Nanou y répondre et c'est comme ça que je me suis dit, mince, tu ne l'as pas encore fait. Excuse-moi, Jackie. Excuse-moi, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai vécu des semaines à 1000 à l'heure. Donc, comment vous dire que même pour essayer de vous maintenir deux vidéos par semaine, c'est assez tendu, hein. Donc, clairement, voilà, il est temps pour moi de me poser un petit peu et de vous faire ce tag. Allez, c'est parti. On y va pour la première question. Alors, je me souviens, hein, y a des questions auxquelles j'ai certainement et même sûrement déjà répondu, hein, parce que dès qu'on parle du DP ou du point de croix, les mêmes questions reviennent. Mais bon, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, bah, vous allez connaître les réponses. Sinon, bah, pour les nouveaux venus, et bienvenue à vous, vous allez découvrir des petites choses peut-être sur moi. Allez, on y va pour la première question. Donc, depuis quand fais-tu du DP? Alors moi, je suis arrivée après la guerre. En fait, on a beaucoup entendu parler du DP pendant le confinement, mais moi, j'ai commencé après, un petit peu après. Et donc, ça fait un bon 3 ans et demi maintenant, parce que j'ai envie de dire, j'ai commencé le DP un petit peu en même temps que ma chaîne. Ouais, ça doit faire ça, hein. Maintenant que ma chaîne a bien 3 ans, bah, le DP, bah, c'est ça, quoi. 3 ans et demi, à peu près. Voilà. Moi, je n'ai pas commencé comme tout le monde en même temps que le confinement. Bah, voilà. Tout simplement, voilà. Bah, vous n'avez rien vu, mais petite pause mouchage. Merci les allergies, ça n'arrête pas. Donc voilà, je disais un peu plus de 3 ans maintenant. Question 2, ça commence bien. Si je dois me moucher tous les 4 doigts, vous, ça va pas durer 3 heures, mais alors moi, ça va peut-être durer 3 heures. Bref, question 2, comment as-tu découvert ce loisir? Alors pareil, c'est une question que bah, j'ai déjà répondu dans le passé, tout simplement parce que on m'a découvert une pathologie qui s'appelle la sclérose en plaques et ben les médecins m'ont demandé de trouver une activité et au début ils m'avaient conseillé une activité sportive, sauf que ben, moi je suis pas sportive pour deux sous, clairement pas. Donc j'ai cherché. J'ai cherché, donc ça, il m'en avait pas parlé à ma dernière poussée, donc il y a maintenant 4 ans. Et j'ai cherché, et un coup, je suis retombée sur les réseaux sociaux, sur ce truc, sur ce loisir. Une pub, en fait, voilà, une pub. Il me semble que c'était sur Facebook, une pub sur le DP, et ça vantait les bienfaits, l'art-thérapie, machin. Et du coup, je m'y suis attardée.
parce que vraiment, vraiment, alors, je vais être honnête avec vous, au début, j'ai dit, mais c'est quoi ce délire, mettre des petits trucs là, des petites perles sur une toile, mais quel est l'intérêt? Et en fait, en m'y intéressant, en regardant des vidéos, avant de craquer, j'ai beaucoup, beaucoup regardé de vidéos de YouTube. Et bah, toutes ces youtubeuses hein, qu'on suivait en même temps là vantaient les bienfaits de ce loisir. Et donc, comme j'ai beaucoup regardé ces vidéos, bah, je me suis laissée tenter. Je me suis dit, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, qui ne tente rien n'a rien. Et comme j'ai beaucoup regardé, je me suis beaucoup intéressée, je me suis beaucoup renseignée, je suis allée tout de suite chez le bon vendeur. Je pense, hein, vraiment, je pense que ça m'a beaucoup aidé de regarder. Comme quoi, hein, les vidéos YouTube sur le diamond painting, c'est pas si bête que ça, hein, j'ai envie de vous dire, parce que du coup, ça m'a permis d'aller tout de suite acheter chez Home Fun Official Store. Et j'avais trouvé une image comme ça sur Pinterest et j'avais fait un personnalisé. Donc j'ai fait, je crois que j'avais fait un 50 par 70 en diamant carré. Comment vous dire que quand j'ai reçu le kit, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Parce qu'en fait, quand on filme comme ça de près, on n'a pas l'impression que les diamants, quand on connaît vraiment pas, on connaît vraiment pas le sujet, je me suis dit, mais c'est quoi de ça? Je vais y passer des années à faire ce truc. Et en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi petit, des aussi petits diamants. Donc j'ai dit, oh là là, dans quoi je me lance? Bon, après, j'ai toujours eu une certaine patience, hein. Je faisais beaucoup de peinture par numéro quand j'étais plus jeune. Enfin voilà. Activité manuelle. J'étais animatrice. De centre de loisirs. Donc j'étais la première à trouver des loisirs en rapport avec les activités manuelles. Hein. De toute façon, à chaque fois, on me laissait ce petit truc, ce domaine-là. Du coup, j'ai envie de dire. Donc bref, donc je m'y suis mise comme ça. Et tout ça pour dire que j'ai découvert le loisir comme ça. Tout simplement parce que on m'a conseillé de faire une activité. Et que bah, sur Facebook, j'ai eu une pub, voilà, sur le DP, et ça m'a perturbée, ça m'a interpellée, on va dire. Voilà. Alors, question 3. Je vais changer de couleur avant de faire une bêtise. Parce que figurez-vous que j'ai fait une méga grosse bêtise. C'est que j'ai mélangé mes diamants AB de cette référence-là, dans le sachet des diamants AB, donc vous voyez, hein, on voit pas beaucoup de différence dans la référence-là, donc rien à voir. Donc dedans j'ai des, on voit ils sont un chouïa plus foncés, donc à chaque fois je fais le tri quand j'arrive aux deux symboles-là. Donc faut que je me concentre, que je ne fasse pas de bêtises. Alors je vais prendre. Allez, mon petit tourbillon, tac. Regardez, déjà, là, j'ai pas fermé le pot. Hop. On y va, question 3. Es-tu plutôt team diamant rond ou team diamant carré? Alors, clairement, si je devais faire un seul et unique choix, ce serait le beau carré. Le carré résine, bien taillé, qui s'emboîte bien, qui clipse, voilà. Le carré, mais pas n'importe lequel. Le carré de chez Oraloa, comme celui-là, il n'y a aucun problème. Le carré de chez Dac, il n'y a aucun problème. Le carré de chez Cara Art, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est les trois compagnies où je peux y aller les yeux fermés sur leur carré. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça ne me dérange absolument pas de faire du rond entre deux. Vous voyez les petites toiles que j'ai eues dans nos boutiques partenaires, je les
très souvent, je les ai très souvent prises en diamant roux parce que bah, on sait que le carré c'est pas folichon. Hein. Après, pour moi, hein, bien sûr, hein, c'est que mon ressenti à moi, le carré. Après, ils se sont peut-être améliorés depuis. Hein, vous me direz, je ne sais pas. Mais en tout cas, de ce que j'en sais, de ce que j'en ai connu. Le carré de chez nos partenaires, petite boutique, ça ne m'intéresse pas. Il est pas terrible du tout. Donc voilà. Je préférais prendre du rond chez eux. Mais en tout cas, si je devais, voilà, si je devais choisir entre l'un ou l'autre, ce serait carré, mais pas n'importe lequel. Voilà. Est-ce que j'ai encore des petits tourbillons? Non. Je ne pense pas. Ah si, j'en ai encore un ici. Et encore un là, voilà, c'est toujours quand on range qu'on en retrouve. Bon, j'en ai certainement oublié, mais c'est pas grave. Alors, question 4, ouais, taille de ton plus grand diamant de painting en cours ou déjà terminé? Alors, le plus grand, le plus grand, le plus grand, ça doit être la Maui Mermaid de chez Oraloa, justement. J'ai mis 7 mois à le faire celui-là, si mes souvenirs sont bons. C'était l'année dernière et la taille. Est-ce que j'ai la taille juste là? Je ne sais plus. Ah, oh, c'était un beau bébé, hein. Un beau bébé. Ah, bah attendez. J'ai été rechercher mon petit carnet de suivi. Et la Maui. Alors, elle fait, ouais, 91 par 73. J'allais dire mon plus grand, c'est le cheval avec l'aigle en fond qui faisait 90 par 70, mais non, j'ai trouvé plus grand, 91 par 73, et c'est la Maui. Voilà. Est-ce que j'ai une photo? Non, je crois que j'ai pas mis la photo dans mon carnet de suivi. Je ne crois pas. J'arriverai pas à vous la faire voir. Non. Je regarde, je regarde. Non, j'ai pas la photo. Bon, en tout cas, vous allez sur le site d'Oraloa et vous. Ah, je sais même pas si elle est encore en vente. Mais bon, il y a des revues. Il y a la revue sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir un petit peu à quoi elle ressemble. Voilà. Donc, diamant carré, pareil, celle-là, ça a été. Je suis passée par tout, toutes les émotions, celle-ci. Hein, ouais. Elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Hein, c'est le cas de le dire. Alors, question suivante. 5. As-tu. Préfère réaliser des petites toiles d'épée ou des grandes? Bon, les deux, enfin, ouais, les deux. Les deux. Mais après, la taille entre deux, j'aime bien aussi. Vraiment, je préfère. Et après, des grandes, ça ne me dérange pas. Mais je pense que pour avoir la satisfaction de finir une toile rapidement, faut en faire une petite à côté, quoi. Donc les deux, un mix des deux. Comme là, après celle-ci, et encore, c'est pas une très grande, hein, elle fait 55 par 55. Bah, je vais faire une petite. Voilà, une petite, ça fera du bien une petite. Donc ouais, je dirais les deux. Pas forcément de préférence. Tout dépend l'humeur dans laquelle je suis. Alors, tac, tac, tac. Question 6. As-tu un défi en cours sur ta chaîne ou sur un groupe? Alors, sur ma chaîne, non, j'ai pas de défi en cours, mais sur un groupe, oui. Parce que avec Jackie et Nathalie. Donc Jackie de la chaîne Jackie Diamond and Scrap et Nathalie de Les Loisirs de Nanou. On a créé un groupe qui s'appelle Les Fadas du DP, que vous pouvez retrouver en barre de description. J'essaye de le mettre très souvent. C'est un groupe où on fait que des défis, que des challenges. Et qui veut participe. Voilà. Il n'y a pas d'obligation. Juste pour rentrer dans ce groupe, il faut au moins participer à un challenge. Et après, vous faites ce que vous voulez. Alors, on en propose tout plein. Et dans la limite du raisonnable, hein, bien sûr. Et après, vous choisissez celui qui vous intéresse. Donc, chaque mois, on en propose. Bon, bah là, on a terminé le mois de juin. Et c'était le fameux challenge défi multi-artiste. Voilà, licencié. Multimarque, peu importe. Hein,
Tant que c'était une toile licenciée, vous pouviez la prendre. Donc moi j'avais choisi celle-ci. Pareil, alors souvent on met des dates de fin, mais c'est pas grave si vous n'avez pas terminé votre projet à la date de fin. C'est juste nous, histoire de tenir le calendrier, voilà, d'y mettre des dates, d'avoir quelque chose de cadré, on va dire, dans le calendrier, pour pouvoir enchaîner les défis. On met des dates, mais sinon, voilà, c'est pas grave si vous n'avez pas fini à la date donnée, quoi. Et au 1er juillet, il y a l'été chez les Fadas qui commence, donc qui a commencé d'ailleurs. Et moi, j'avais envie de prendre. Alors, c'est pareil, il commence au 1er juillet le défi, mais si vous commencez pas au 1er juillet, c'est pas grave. Moi, je vais prendre du coup ma petite chouette de chez Oraloa, que d'ailleurs mes potes Fada m'ont offert. Je vais prendre celui-ci pour le défi. Voilà, pour le défi des Fadas, l'été chez les Fadas. Et donc, alors les filles, elles ont fait un rappel sur leur chaîne. Moi, j'ai pas eu le temps de le faire, mais elles ont fait un rappel de tous les défis là jusqu'à la rentrée. Donc, n'hésitez pas à aller voir, hein. Je vous mettrai leur chaîne de toute façon en barre de description. Elles vous expliquent un petit peu les prochains événements quoi sur le groupe. Donc, oui, je vais bientôt commencer. La chouette pour l'été des Fadas, l'été chez les Fadas. Après, j'ai un autre défi en cours, bah, c'est le point de croix Oraloa, mon tigre, Tiger, voilà, que j'ai en duo avec Jackie. Bon, alors, on avait proposé ce sale, il fallait faire une toile. Alors, on l'a fait sur un an et il fallait choisir une toile pareil chez Oraloa. Et chaque mois, on fait une case. Voilà. Chacun la fait à son rythme. Et chaque mois, on se fait une case. Et on avance comme ça. On est déjà arrivé à la moitié vu qu'on a commencé le 1er janvier. Donc ça, c'est avec Jackie. Mais c'est sur le groupe des Fadas. Et ah oui, si, j'ai un défi en cours. Mon Dieu, vais-je l'oublier. C'est l'événement, pareil, toujours dans le point de croix. L'événement des 4 saisons. Voilà. Donc là, c'est la toile des 4 saisons. Et on fait une saison. Ben, par saison. Donc là, on est arrivé en été, on a commencé l'été. Voilà un petit peu les défis en cours, hein. Je pense que j'ai dit sur ce que je faisais. Alors après, voilà, on est bien conscient, on ne peut pas tout faire, hein. Donc on fait ce qu'on a envie de faire. Voilà. Et c'est toujours sans stress, pas de pression. On fait avec le temps qu'on a, quoi. Voilà. Et comme on peut. Je dis, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Allez, question suivante. Toc, toc. Question 7. As-tu une idée de combien tu as déjà réalisé de TP? Alors là, I don't know. Vraiment, je ne sais pas du tout. Alors, j'ai un carnet de suivi là, déjà bien entamé. Mais si je me mettais à les compter. Et tout en sachant que j'en ai un. Alors attendez. Ah, quoique. Si j'essaye de compter déjà ici, ça me ferait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, j'aurais dû vous mettre sur pause 13, je vais passer une passe, je ne sais pas pourquoi, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. 21, 22, ouais déjà, hein. 22, parce que vous les voyez pas, mais 22, 23, ça me rappelle les souvenirs du coup en feuilletant, 24, 24, non ça c'est le point de croix, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
J'arrive à la fin. 29. Attendez. 29, 30. Ouais, là, je suis sur les derniers. 30, 31, 32, 33, et eh ben, 34, 35, 36, 37, 30. Ça, c'est celle-là, donc je ne vais pas la compter. 37, 38, 39. Et celle-là, ce sera la 40, 40e. Et ben, sans compter les petits objets, les petites bricoles, les machins comme ça, bah, je suis à ma 40e toile. Voilà. Parce qu'en fait, je pensais que j'avais déjà fait un premier carnet, mais non, c'était un carnet de partenariat. Là, c'est vraiment mon carnet de suivi depuis le début. Donc, normalement, si j'ai pas oublié de toile, j'en suis à ma 40e. Bon, c'est pas mal. Je suis contente de moi. Bon, il y en a qui en font plus, mais après, on s'en fout, c'est pas une course, quoi. 40e toile, c'est cool. Voilà. Oh, j'ai oublié de ranger ça. Alors, après. Allez, on va passer à la question suivante, sinon. Sinon, ça va durer 3 heures. Alors, tac, ça va durer 3 heures. Petit clin d'œil à Patricia. Elle veut une longue vidéo pour finir sa case. Si tu passes par là. Voilà, petit clin d'œil. On y va. Donc, réaliser des DP, ça s'est fait 8. Que fais-tu bah, de tes toiles terminées? Alors, il y en a une que j'ai encadrée. Voilà, qui est dans mon bureau. Dans mon bureau. Il y en a une autre que je devrais encadrer, le tigre, que j'ai pas encore fait. J'ai pas encore pris le temps de le faire. Faut que j'achète un cadre. Sinon, et eh ben les très 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 grandes, elles sont bah, de nouveau réenroulées et rangées dans leur boîte d'origine. Ou après j'ai un gros porte documents, vous savez. Vert là, les pochettes à dessin. Jusque la taille 50 par 70, ça rentre dedans. Donc voilà, je les range dedans. Ou alors, j'ai un portfolio. Ça, c'est plus les 30 par 40 que je mets dedans. Je peux monter 40 jusque 50, je crois. Non, 30-40. Et sinon, non, ouais, je sais plus. Je ne sais plus, mais en tout cas, j'en range dedans. Et il fut un temps, c'était la mode d'acheter les carnets à dessin chez Action, où dedans, on pouvait mettre les 30 par 40. Donc, dans le portfolio, ça doit être... je peux monter jusqu'à 40 par 50, normalement, dedans. Voilà, ils sont dans trois endroits différents, voire quatre, quand je les remets dans leur boîte d'origine, quoi. Voili, voilou. Alors, je reprends une couleur et... Je passe à la question suivante. As-tu déjà fait un German painting personnalisé? Si oui, dans quelle boutique? Alors oui, du coup, ça m'est déjà arrivé d'en faire. Alors, bah, sur Home Fun, hein, comme beaucoup, beaucoup de gens. Home Fun Official Store. Et à l'époque, j'en ai fait aussi sur DIY. À l'époque, il y avait la boutique DIY sur AliExpress, hein, toujours, qui était une filiale d'Home Fun. Mais qui était un petit peu moins cher. Donc, j'en ai fait faire sur. Et qui, bah, qui avait la même qualité. Hein, donc, j'en ai fait faire chez ce vendeur. Et vraiment, il n'y avait rien à dire. Home Fun. Alors, c'est vrai que c'est. J'en fais plus, en fait, parce que. Bah, déjà, la colle double face, j'en ai encore à faire. Hein. Je dis pas. Hein, j'en ai encore dans mon stock. D'ailleurs, il faudrait que j'en refasse une, un de ces quatre. Ou sortir une vieille toile. Mais, ouais, la colle double face, ça me gonfle. Donc, c'est pour ça que j'en fais plus trop faire chez Home Fun. Enfin, nulle part d'ailleurs. Parce que je me dis, j'ai assez de stock comme ça. J'essaye d'être en no buy, clairement, niveau DP. Parce que bah, j'ai ce qu'il faut, quoi. J'ai ce qu'il faut pour toute une vie, voire plus. Donc, voilà, je n'en fais plus faire, même si des fois j'ai des images que j'aimerais bien faire, mais non, c'est tout. Je voulais me faire un perso bah, du groupe Indochine, hein, parce que je suis une méga fan d'Indochine.
Mais bah, je ne l'ai pas fait, quoi. Déjà, ça aurait dû être un monstre, le truc. Et un monstre en col double face, j'ai plus envie, quoi. Voilà. Hop. Alors, est-ce que j'ai fini cette couleur? Je ne sais pas. Je pense que oui. Allez, on y va. As-tu déjà... Alors, c'était OK. As-tu déjà acheté une boîte mystère d'épée? Qu'en as-tu pensé? Alors, une boîte mystère d'épée, non, mais une toile... Vous savez, sur Auraloa, pendant un moment, ils faisaient des... bah ouais, des envois mystères. Vous achetez... voilà, c'était un prix. Et bah, c'était mystère et boule de gomme. La toile n'était pas mystère, mais ce que vous recevez, c'était mystère. Donc ça, je l'ai fait. Et une fois, je l'ai fait, c'est bien. Voilà, c'est tout. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu... Bah, je crois que j'ai eu celle-là, d'ailleurs. Je me demande si c'est pas... c'est sûr, c'est une toile de Julie Courchêne que j'ai eue. Et je me demande si c'est pas celle-là que j'ai eue. Donc vous voyez, j'ai eu du bol. Mais voilà, je suis pas quelqu'un de très téméraire qui aime bien faire ce genre de truc. Donc là, j'ai dit allez pour le fun, Auraloa, ça peut être que bien. Quoique, si voilà, si j'avais pas aimé l'illustration, tant pis, hein, j'aurais revendu. Mais c'est la seule fois où j'ai fait un achat vraiment. C'est plus un achat à l'aveugle. Clairement. Mais je sais pas s'ils feront encore parce que ça fait un petit moment qu'ils l'ont pas fait. Mais bon, je non, je le ferai plus. Vraiment, je suis pas téméraire. Une fois, mais pas deux. Voilà. Question 11. Es-tu plutôt d'épée ou point de croix? Oh, bah, pareil. D'épée le matin, point de croix l'après-midi. Voilà, ça marche si je réponds ça. Je suis les deux maintenant. Pareil, s'il faut faire un choix, un seul et unique choix, je dirais le DP quand même. Hein. Ça reste mon premier amour. Donc, on va rester au premier amour. Hein. Je vais rester sur le DP. Parce que, alors, le truc, le top du top, vraiment, c'est quand je couple DP et livre audio. Alors là, je mets un casque, je suis dans ma bulle et vraiment, je n'entends plus rien. Je ne sais même plus ce qui se passe autour de moi. Je suis dans une bulle, mais vraiment increvable, quoi. Ça, c'est mon kiff total. Voilà. Alors, pour tes vacances. Tu apporterais avec toi d'épée ou point de croix, pourquoi? Alors au début, je faisais point de croix. Non, je faisais d'épée, mais les petits accessoires. Style carnet, marque-page, les trucs comme ça. J'ai tenté une fois une toile. J'avais bien fait de la prendre parce que l'année-là, franchement, le temps était pourri. Donc on a passé notre temps plus enfermé qu'autre chose. Donc heureusement que j'avais un d'épée. Mais maintenant, je ne prends plus de d'épée. Je prends un point de croix. Un petit point de croix. Comme j'ai déjà dit, pour faire durant les temps morts sur la route, quand je ne conduis pas. Parce que lire sur la route, quand je suis en transport en commun, comme ça, je n'y arrive pas, ça me donne la nausée. Mais le point de croix, ça marche très bien et ça m'occupe. Je trouve le temps moins long. Quand on doit descendre dans le sud, c'est très long. Donc voilà pourquoi je prends maintenant que du point de croix et pareil, hein, je prends pas 36 000 objets, 36 000 choses, je prends et puis je prends pas une toile de 50 par 50, je prends vraiment un petit truc à faire, un petit kit et c'est largement suffisant. D'ailleurs, celui de l'année dernière, ouais, je l'ai même pas fini quoi encore. Donc je me demande si je vais pas le reprendre cette année ou alors voilà, j'ai un marque-page en cours, peut-être que je prendrai le marque-page. Mais en tout cas, vraiment, vous voyez le type d'objet que je prends quoi. Petite toile ou alors petit objet à broder. Voilà, bah on a fait le tour. On a fait le tour de ce tag. Et donc, bah, c'était sympa. Merci Jackie de m'avoir tagué. Et puis bah, merci à Angélique d'avoir créé ce tag. Qui je vais taguer?
Alors, j'ai été regarder quand même qui j'allais taguer. Et en même temps, hein, je vous ai épargné une petite session mouchoir. Je suis désolée, vraiment. Bon, vous n'avez rien vu, rien entendu, mais bon. Pour moi, je sais que c'est assez pénible, donc bref. Je vais taguer 4 chaînes. Donc, je vais taguer Lily et ses loisirs. Voilà, c'est une toute nouvelle chaîne que je découvre depuis très peu, qui est du Pas-de-Calais, comme moi. Donc, il me semble, si je ne me trompe pas, bon, elle me le dira si je me suis trompée. Mais en tout cas, Lily et ses loisirs. Katharina, je vais taguer Katharina, de la chaîne KitKat DP. J'ai plus exactement le nom excuse-moi, le nom de sa chaîne. Alors, attendez. Pourquoi j'ai plus ce... Bah, KitKat Diamond Painting. Malika, je vais te taguer de la chaîne d'étoiles qui brille. Et Mélissa, il y a longtemps que j'ai pas entendu Mélissa faire un tag. Donc, Mélissa, de la chaîne des passions de Mélissa, je vais te taguer. Voilà les filles, à vous de jouer si ça vous intéresse. Si vous souhaitez écoutez, répondre au tag, je remettrai bien entendu les questions en barre de description, toutes les chaînes citées, le groupe Facebook des Fadas. Enfin, vraiment, vous avez tout en barre de description, des codes promo. Donc, n'hésitez pas à aller voir si le cœur vous en dit et si vous voulez avoir quelques petites infos. Voilà. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est bon. J'espère que ça vous aura plu de passer ce petit moment avec moi. Moi, ça m'a fait super plaisir comme d'habitude. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Allez, salut tout le monde.